Bonjour tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri et on se retrouve pour l'épisode 153 d'Apprenons ensemble où on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Commençons sans plus attendre, c'est parti. C'est quoi le TNF-alpha? Ok, donc première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci, on l'avait abordée pas mal de fois quand on évoquait le système immunitaire, notamment avec les cytokines, mais là c'est la première fois qu'on tombe sur la flashcard. Donc qu'est-ce que le TNF-alpha? TNF c'est facteur de nécrose tumorale, en français du coup, qui est du coup une cytokine, un type de cytokine. Bien entendu, elle joue un rôle crucial dans plein de réponses immunitaires. Il y a deux types de TNF, donc là c'est le TNF-alpha. C'est d'ailleurs celui qui est le plus étudié. Mais il y a aussi le TNF-bêta. Je ne me rappelle plus du tout du TNF-bêta. De toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais le seul truc que j'avais retenu, c'est qu'il y avait... ça s'appelle le TNF-bêta. Mais il a un deuxième nom qui est l'info je sais pas quoi alpha. Donc ça peut vraiment porter à confusion. C'est ça qui m'avait fait tilt. Bref, revenons au TNF-alpha. Donc j'ai dit qu'il jouait un rôle crucial dans la réponse immunitaire et inflammatoire. Je me rappelle aussi que le TNF-alpha se lie à deux récepteurs, ça c'est hyper important, TNFR1, TNFR2. Bon, l'étymologie, étant donné qu'on connaît l'acronyme, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Et en pratique, bien entendu, en médecine, le TNF-alpha est hyper étudié, parce que, en fait, comme beaucoup de cytokines, il y a des traitements anti-cytokines, donc notamment ça joue beaucoup sur le TNF-alpha, surtout pour les traitements de maladies auto-immunes. Que dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je sais pas quoi dire d'autre là, donc on va passer à la vérif, c'est parti. C'est quoi le TNF-alpha? Le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor Alpha, est une cytokine impliquée dans l'inflammation et la réponse immunitaire. Le TNF-alpha est une protéine produite principalement par les macrophages et les monocytes en réponse à des stimuli inflammatoires. Il joue un rôle clé dans la régulation de l'inflammation, la stimulation de la réponse immunitaire et peut induire la mort cellulaire programmée, apoptose. Ah oui, j'ai oublié. Lorsque le corps détecte une infection ou une blessure, les cellules immunitaires libèrent le TNF-alpha. Cette cytokine agit comme un signal d'alarme, attirant d'autres cellules immunitaires sur le site de l'infection ou de la lésion pour combattre les agents pathogènes. Pense au TNF-alpha comme à un chef d'orchestre dans une symphonie inflammatoire. Il donne le signal pour que toutes les autres cellules immunitaires jouent leur partie, créant une réponse coordonnée pour éliminer l'infection. Le TNF-alpha fonctionne selon le principe de clé-serrure en se liant spécifiquement à ses récepteurs, TNF1 et TNFR2. Sur la surface des cellules cibles. Cette liaison déclenche une cascade de signaux intracellulaires qui conduisent à l'inflammation et à d'autres réponses immunitaires. Le terme « tumor necrosis factor » vient du fait que cette cytokine a été initialement découverte pour sa capacité à provoquer la nécrose des cellules tumorales. Alpha désigne une des variantes de cette famille de protéines. Imagine le TNF-alpha comme un super-héros de l'inflammation, un peu comme Captain America qui rassemble les Avengers, les autres cellules immunitaires, pour défendre le corps contre les méchants, les agents pathogènes. Le TNF-alpha est une cible importante dans le traitement de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Des médicaments appelés anti-TNF, comme l'infliximab, sont utilisés pour neutraliser cette cytokine et réduire l'inflammation. Conclusion. Le TNF-alpha est une cytokine cruciale dans la réponse inflammatoire et immunitaire, agissant comme un signal d'alarme pour recruter d'autres cellules immunitaires et combattre les infections. Visuel. Imagine une scène où des macrophages, petits soldats, détectent des envahisseurs, bactéries, et lancent des signaux détresse, le TNF-alpha, pour appeler des renforts, d'autres cellules immunitaires. Pour te souvenir du rôle du TNF-alpha, pense à TNF comme très nécessaire pour frapper. Alpha parce qu'il est souvent le premier sur les lieux pour orchestrer la réponse. Récapitulatif périodique. TNF-alpha, cytokine pro-inflammatoire. Produit par macrophages et monocytes. Fonction, régulation de l'inflammation, apoptose, réponse immunitaire. Cible thérapeutique, maladie inflammatoire chronique. Pourquoi le TNF-alpha est-il considéré comme un signal d'alarme dans la réponse immunitaire? Parce que comme tu l'as cité avec ton histoire bien amusante, que j'ai bien aimée d'ailleurs, avec les super-héros. Il est souvent le premier à arriver sur les lieux et à organiser du coup une réponse, la réponse immunitaire adaptée. Exactement. Tu as bien compris le rôle du TNF-alpha. Il agit effectivement comme le premier signal d'alarme, recrutant et coordonnant les cellules immunitaires pour une réponse efficace contre les infections. Super travail. Continue ainsi. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser ces concepts importants. Ok, juste il ne faut pas que j'oublie de préciser pour les prochaines fois que le TNF-alpha potentialise l'apoptose, ce qui est quand même hyper intéressant. Voilà. C'était une petite aparté. Passons à la flèche card inédite, c'est parti. C'est quoi l'hypophyse? Alors l'hypophyse... Aïe aïe aïe, je sais pas... Pourtant je m'entends parler de plus en plus, j'ai l'impression. L'hypophyse... Je sais pas si c'est soit dans le cerveau ou dans le système digestif, mais je pense pas. Oh. Je sais vraiment pas. Hypophyse. Hypophyse. Je sais pas. En vrai, je... ça sert à rien que je cherche, je sais vraiment pas. Donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi l'hypophyse? L'hypophyse est une petite glande endocrine située à la base du cerveau, souvent appelée glande maîtresse, car elle régule de nombreuses autres glandes endocrines du corps. L'hypophyse se divise en deux parties principales, l'antéhypophyse, ou lobe antérieur, et la posthypophyse, ou lobe postérieur. Chaque partie a des fonctions et des hormones spécifiques qu'elle sécrète. Antéhypophyse sécrète des hormones telles que l'hormone de croissance, GH, la prolactine, PRL, l'hormone folliculostimulante, l'hormone lutéinisante, LH, l'hormone corticotrope, ACTH et la thyrotropine, TSH. Posthypophyse libère des hormones produites par l'hypothalamus, comme l'ocytocine et la vasopressine, ADH. Ah ouais. Ces hormones régulent divers processus dans le corps, incluant la croissance, la lactation, la reproduction, le métabolisme et la réponse au stress. Imagine l'hypophyse comme un chef d'orchestre qui, avec sa baguette, coordonne et dirige l'ensemble des musiciens, les autres glandes endocrines, pour produire une symphonie harmonieuse, le fonctionnement équilibré du corps. Les hormones de l'hypophyse se lient spécifiquement à leurs récepteurs sur les cellules cibles, déclenchant des réponses physiologiques spécifiques. Par exemple, la TSH se lie aux récepteurs de la thyroïde pour stimuler la production des hormones thyroïdiennes. Le mot « hypophyse » vient du grec « hypo », sous, et « physis », croissance, reflétant sa position sous le cerveau. Pense à l'hypophyse comme au chef d'une guilde de magiciens dans un jeu de rôle. Chaque sort lancé par ce chef, hormone, déclenche une action magique spécifique, réponse physiologique, dans différentes parties du royaume, corps. Les dysfonctionnements de l'hypophyse peuvent entraîner des troubles endocriniens tels que le gigantisme, l'acromégalie, l'hypopituitarisme et la maladie de Cushing. Le diagnostic et le traitement des troubles hypophysaires sont cruciaux en endocrinologie clinique. Conclusion. L'hypophyse est une glande maîtresse essentielle qui régule de nombreuses fonctions corporelles en sécrétant diverses hormones influençant d'autres glandes endocrines. Visuel. Imagine un petit chef d'orchestre, l'hypophyse, avec une baguette debout sur une estrade à la base du cerveau, donnant des instructions à un ensemble de musiciens, les autres glandes endocrines, pour jouer une symphonie harmonieuse, les processus physiologiques du corps. Pour te souvenir des fonctions de l'hypophyse, pense à hypo comme hyper-organisateur. L'hypophyse orchestre et régule les activités de nombreuses glandes endocrines dans le corps. Récapitulatif, périodique, hypophyse, glande endocrine à la base du cerveau. Division, antéhypophyse, lobe antérieur, et posthypophyse, lobe postérieur. Hormones sécrétées, GH, PRL, FSH, LH, ACTH, TSH, antéhypophyse, ocytocine et ADH-hypophyse. Fonction. Régulation de la croissance, reproduction, lactation, métabolisme, réponse au stress. Quel rôle joue l'antéhypophyse dans la régulation des autres glandes endocrines? Je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pas tout suivi. J'ai juste retenu que ça produisait des hormones telles que l'ocytocine et la TSH, que je connais déjà, les autres je les connais pas. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Pas de problème. Prenons un peu plus de temps pour bien comprendre les fonctions de l'antéhypophyse et de la posthypophyse. Reprenons les points clés. L'hypophyse est une glande endocrine située à la base du cerveau, souvent appelée glande maîtresse, car elle régule de nombreuses autres glandes endocrines du corps. Antéhypophyse, lobe antérieur. L'antéhypophyse sécrète plusieurs hormones importantes. Hormone de croissance, GH, stimule la croissance des os et des tissus. Prolactine, PRL, stimule la production de lait dans les glandes mammaires. Hormones folliculostimulante, FSH, et hormones lutéinisante, LH, régulent les fonctions reproductives. Hormones corticotrope, ACTH, stimule les glandes surrénales pour produire le cortisol. Thyrotropine, TSH, stimule la glande thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes. Posthypophyse, lobe postérieur. La posthypophyse libère des hormones produites par l'hypothalamus. Ocytocine, stimule les contractions utérines pendant l'accouchement et la libération de lait lors de l'allaitement. Vasopressine, ADH, aide à réguler l'équilibre hydrique du corps en augmentant la réabsorption d'eau par les reins. Ah oui. Pense à l'antéhypophyse comme à un chef d'orchestre qui envoie des notes, hormones, à différents musiciens, glandes du corps, pour jouer leur partie spécifique dans une symphonie harmonieuse. Fonctionnement du corps. Les troubles de l'hypophyse peuvent causer divers problèmes de santé. Par exemple, un excès d'hormones de croissance peut entraîner le gigantisme, tandis qu'un déficit peut causer une croissance insuffisante. Conclusion. L'antéhypophyse sécrète des hormones qui régulent la croissance, la reproduction, le métabolisme et la réponse au stress. La posthypophyse libère des hormones qui régulent les contractions utérines et l'équilibre hydrique. Ok, super. Eh bien, ça fait un sujet hyper important que je viens d'apprendre du coup. Hâte de refaire des flashcards dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai amélioré un peu les prompts de base pour cette IA-là. Et je vois vraiment les résultats. Je trouve qu'elle explique hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, voilà. Bon week-end à tous. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao.